Yon avion militaire canadien débarqué dans l'aéroport national Maïgaté Port-au-Prince. Sortant de la brigade IPT, un pile monde qui a couru dit c'est l'armée qui débarque pour venir by sécurité. Même bandit qui est en gros qui cassé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue ou connecté réseau information à Sofia TV 83. C'est le moment pour me présenter le principal point qui va faire essentiel dans le journal. Pour journée aujourd'hui, restez connecté là, pas déplacé, mes nouvelles là en détail. Kenya dans la Tibonite ou encore dans Mibale, Gode Bleu IPT, la police dans le cadre opération a mené marié aux jeunes garçons avec plusieurs téléphones cellulaires dans mail et plusieurs milliers de gouttes de jeunes en possession. Sortant de là, monsieur yon côté pour le moment. Gagné après 2 mois, sénateur la Tibonite, Yuri Latoti qui sortit dans le silence, accusé en vêtir en voilà, yon livre yon écrit qui sortit dans les Nations Unies, les faits qu'on est, yon va parler en EDP au Caribe avec monde qui volait l'argent pays, mais pourtant c'est lui accusé. Et le mandat de justice lui décide de bataille coûte que coûte pour le capable de sortir tête dans sa lit là. Est-ce que le sénateur a fini par une raison pour qu'on connaît, mais quand même, on suit feuilleton. Fin commencer, et le sénateur a sorti griffli toute longueur, accusé un pile monde qui t'a mis nol dans le dossier ça, comme quoi l'état dans le dossier gang et puis dans le volet, j'en ai annoncé là, et le sénateur a tout. Pas décidé by vague dans le dossier ça. C'est Ariel Henry qui sorti griffli toute longueur. Li parle de loi électorale là, il sorti dans le moniteur, li fait connait tout, yo pral mettre campé conseil là sous pied. Est-ce que c'est conseil permanent ou provisoire? Mais pour l'instant, c'est gros cause qui a parlé dans pays, il faut élection faite. C'est moun qui est élu qui doit rentrer dans le palais national, Jean Premier ministre président raconté là. Mesdames messieurs, point ça y voir l'autre, c'est essentiel qui parle faire point dans journal là pour aujourd'hui. Si vous qu'on fait ça rentrer dans famille en Sofia TV 83, abonnez à la page là, partagez avec leurs amis. Toute nouvelle avec information à venir sans gratter tête et à venir nous la caillou sans ouéter ni mettre. La police a arrêté Saint-Jean Lovensky dans la ville Lascaobas avec 16 téléphones portables, un laptop avec 62 695 goudes. Vous avez cherché comme quoi il y a une accusation sous Dolion. L'autre côté, le commissaire a tout dressé bilan travail pour 4 mois. Il y a une tête police dans la juridiction Mir Balea. En attendant, commissaire Pierre Ronald, pour plus d'entendre, commissaire Pierre Ronald, pour plus d'état dans le commissaire Joseph. Et comme on connaît, la police là, c'est jamais campé. Nous venons là depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, qui c'est 11 janvier 2023. Nous avons continué le même travail que le commissaire Mathias Tapfer, c'est travail avec la communauté, travail tout pour nous capables de un climat de sérénité dans toute la justice balaire. Nous procédons à l'arrestation en pile dans les qui sont sortis, soit des bouquets, tabac dans plusieurs groupes de gangs qui deviennent. Pour un refuge dans la zone de Balea, nous avons arrêté eux, nous avons un cas qui est plus flagrant, c'est un qui a arrêté, qui a kidnappé un petit enfant de 8 ans, nous avons venu dans la juridiction, nous avons retourné. Et puis, nous avons fait des opérations tout sous le dos. Hier encore, nous avons procédé à l'arrestation de certains Saint-Jean Lovensky, qui est un qui a gagné un pile antenne sur lui. Nous avons arrêté monsieur avec 16 téléphones. Avec un somme COP qui évalue à plus de 12 500 $. Qui côté nous a arrêté? Nous avons fait, selon. Dans le cadre de la nous avons fait opérer ça juste Lascaobas parce que nous travaillons avec toute communauté dans le cadre d'échange d'informations. Qu'il s'agisse de Sodo et Lascaobas, Grand Boucan, toutes les zones ça automatiquement, nous avons gagné l'information et nous partageons avec nous, nous réagissons. Et ces derniers temps, il y a plein de monde qui a plein de coins dans les films balais côté braqué, il y a plein de balises. Comment mettez-nous à pied d'œuvre pour nous capables? Oui, par rapport à l'ensemble de plaintes que nous avons gagnées, plaintes pour réviser à la baisse, parce que nous-mêmes, nous travaillons sous chiffres. L'MD fait venir, tu as gagné en hausse. Je dis après, on parle en voilà, bonne fin de journée, on n'a pas recevoir plainte. Et donc, si nous avons une plainte, nous avons mal pour nous connaître qui côté et pique. Parce que même j'en trouve, nous avons des gens qui ont toujours collaboré avec nous, dans nos informations sur inconnus qui sont dans la zone de la CAIO, par rapport à l'efficacité que nous mettons en place pour nous réagir à temps. Je dis à la, et nous avons dit que l'acte de banditisme est révisé à la baisse. Même j'en sur route 9, nous avons un petit jet qui a bien pile problème. Je dis à la, M. Côté Ldoéa, M. a proposé le côté qui n'a pas de nuit. Et si vous regardez dans le registre, vous voyez que vous avez 4 nègres noirs arrêtés avec Pitna Mayo, qui sont dans la place là même, parce que vous avez un ordre formel, côté que de temps en temps,
patrouille hut moyo si on est dans place là fait check fouiller moun yo pour assurer que moun kap passer dans zone là pas victime de accident qu'on fait là. N'a toujours été dans information yo toujours dans affaire insécurité là Jean Nouvel là lui-même hier li rivé côté ministre des affaires étrangères Canada Mélanie Joly ak ministre défense nationale là Anita Anand qui annonçait hier mercredi 11 janvier 2023 que force armée canadienne non li fait arriver en Haïti là plusieurs machines blindées que Haïti lui-même était déjà placé comme d'achat dans pays Canada selon communiqué gouvernement canadien mettait dehors un avion militaire canadien qui arrivait dans Port-au-Prince hier mercredi pour le déposer sur les machines blindées au bail direction générale police nationale d'Haïti. Machine ça yo toujours entré dans cadre effort qu'a fait beaucoup de la police nationale que pays Canada n'a appuyé aidé autorité le Paboy site dans bataille qui a mené contre affaire gang Paboy site qui donc hier là que plusieurs machines blindées que autorité pays Canada yo là rivé avec yo dans un avion militaire dans airport là que porté bail autorité Paboy site surtout la police pour continuer mettre mater action bandio en de pays. Le gouvernement Canada dit lui répond avec la demande appui qui était faite par autorité Baboy situé tandis que en plus monde capable observer question zak violence chaque jour intensifié, chaque jour augmenté en de pays. Qui donc bandit armé eux-mêmes qui pas décidé baisser braio by vague avec action à commettre sous population civile. Ça fait en deuxième fois que pays Canada lui-même livoyé sans les machines blindées by au gouvernement haïtien. États-Unis et Canada qui montre que dernier temps ça yo un yo très préoccupé avec la situation qui a passé en Haïti et veut aider la police à renforcer capacité pour mater les affaires insécurité à Baboy site pendant que n'a pas appelé président Joseph Biden, Joe Biden, qui était rencontré mardi 10 janvier, Premier ministre Canada, Justin Trudeau dans le pays Mexico, dans le cadre du sommet leader nord-américain, au côté de annoncé que tu as fait, il n'y a possible avec coordination avec partenaire Conseil de sécurité des Nations Unies pour la prochaine étape qui est pour arriver là. Mais tu as discuté, Biden ensemble avec Trudeau, tu as discuté ensemble dans la discussion qui a été gagnée, situation haïtienne, l'itinamite en discussion en mitan des baillots entre deux messieurs pour garder comment pays Canada et États-Unis capable continuer by Edubou Radio avec l'État haïtien. Ancien sénateur Yuri Latortue qui sortit dans silence deux mois après le tétobe bas sanction Canada et États-Unis. L'idée a fait connaître l'été écrit pays sérieux pour venir tout détail sous sanction sérieux jusqu'à présent. Il n'y a pas jeune aucune réponse. On s'est parlementaire rappelé le TCB sanction États-Unis déjà pour yon causer drogue et l'aile rivée défendre le tribunal dirigeant AAA persuadé sanction sérieux politique. On écoute Yuri Latortue. Moi-même personnellement, moi victime déjà de sanctions sérieux en APIA. Côté en 2007, justement, au niveau de États-Unis, yo te rele nou, ou te di gen suspicion drogue sou nou, et yo prend des décisions contre visa nou, parce que y a une suspicion. Et depuis le SAM, te entamé en bataille, qui te fait que, trois ans après, au niveau de Wikileaks, nous te wè, c'est Fritz Meuse, on est qui te accaparé pour Gounaïve là, qui te al côté plainte qui t'a dénoncé dans l'ambassade américaine le 5 mai 2005 parce qu'il va te payer pour Gounaïve là. Il m'a dit le payer. Et le Sahara, bataille a été faite jusqu'à ce que, mal devant tribunal, jusqu'à ce que toute famille t'ait dit que ça, monsieur, t'a fait à pas bon, nous allons devant tribunal et m'a gagné une bataille là. Et monsieur t'a présenté, excuse-lui, parce que lui connaît ça, le fait à pas de bon. C'est pour le décap capable pour Gounaïve là. Il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement l'État, puisque la bataille ça que nous avons faite là, c'était pour que l'État te récupère pour. Et le ça, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis te réévalué justement la question de sanctions qui ont été prises contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver. Nous venons trouver nos situations côté international là, venons annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça, puisque nous n'avons signifié nous aucune décision. Immédiatement que question ça est venue, nous avons dit que c'est des sanctions politiques,
puisque nous connaissons ça qui est arrivé déjà. Nous avons entrepris plusieurs actions. Action que nous apprenons, nous avons écrit pays États-Unis, nous avons écrit pays Canada, parce que nous avons parlé de façon générale pour nous demander qui ça que nous reprochons nous spécifiquement. À date, nous ne jamais répondre, mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Pendant deux mois, si l'ensemble, ce sénateur Yuri La Tortue fait qu'on est équipe juridique en Haïti avec les États-Unis, tape travail et l'enquête Yuri veut découvrir un livre qui relève les dossiers zombies qui écrit ni en anglais avec espagnol. Et dans le livre ça, qui sorti dans l'année 2019, il a dénoncé le commun monde qui n'a trafic Zam Agog dans le pays d'Haïti. C'est un certain Bird Grabler qui est un autrichien qui tape travail dans les Nations Unies en Haïti qui écrit le livre ça sur l'autre nom. D'après l'enquête, Yuri La Tortue explique dans le livre ça, où a présenté un ancien premier ministre qui a été cité dans le gaspillage de l'agent Petro-Caribéen qui devient président d'Haïti. L'idée a conclu, c'est à travers le livre ça, Canada et États-Unis ont arrivé à prendre sanction ça contre lui, en côté Yuri La Tortue. Ben Grabner, qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur n'a pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier d'affaires, 1 million de monde dans la rue, n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Petro-Caribé. Monsieur n'a pas parlé de Dermalog, monsieur n'a pas parlé de Sophie Dalle, monsieur n'a pas parlé de franchise au rapport que Sénat a fait, que nous t'y fait. Monsieur n'a pas parlé de contrebande, monsieur n'a pas parlé de question passeport, monsieur n'a pas parlé de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui a dénoncé mon gars volé, dont moi-même principalement. Monsieur n'a pas parlé de aucun dossier ça. Et puis il a fouillé son Kalalou. Et là, il y a dans le livre là, n'allez toujours dans la page 321. 324, Ben Gapner dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce son ancien premier ministre? Je ne vais pas citer dans le livre là. C'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait meilleur. Et c'est un amoun qui, premier dilapidateur, font plutôt arriver. Et c'est le Sahara. Et c'est le Sahara. Enquête nous, à continuer. Et c'est le Sahara, nous vînons que le président Jovenel, en février 2019, t'es font discours, nous changer. Il a dit mon opposition, yo, c'est au Knadwall. C'est yo qui a bandi. Et c'est le Sahara, yo te remet, parce que le livre l'a sorti en mai, yo te remet le rapport ça yo contre toute l'équipe de l'opposition, dont moi-même personnellement, qui te, eh bien, qui te fait au Caribe. Et nous songez, rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement le Sahara. C'est le président qui te payé, eh bien, et Anel, pour que l'été vienne, puis yo te fait démagogie, mais en même temps, ils font un dossier. Ben Gardner, monsieur dit dans le livre là, regardez bien, monsieur dit dans le livre là, que les travaillent en collaboration avec l'ambassade américaine et c'est là le dossier. Monsieur dit qu'ils ont une méthode dans l'ambassade là. Monsieur dit que tout ça le fait, il fait avec l'international. C'est qu'on y a nous venons découvrir comment officier des Nations Unies ça li entendre avec gouvernement, contre opposition et secteur mafieux qui était dans Petro-Caribéen, dilapidateur qui était dans Petro-Caribéen. Et ces dossiers saillants qui montaient depuis 2019 contre opposition et contre monde qui t'a dit vérité pour y'a fait caractère assassination. Ça veut dire, y'a pas qu'à tuer yo, y'a voulu détruire caractère yo. Mais pas oublier que même mon sa yo qui te vin kote mlem tape écrit Petro-Caribéen, qui te dit, y a bon tout avantage pour m'battre maintenant yo, dans Petro-Caribéen, qui te fait menace. Justement, c'est mon sa yo, que Ben Gardner dit qu'il doit être président d'Haïti, parce que c'est mon qui pikline dans le pays. Ancien sénateur Yuri La Tortue fait qu'on est l'écrit bi aux affaires légales ONU, dans New York, pour prendre responsabilité yo. Takou révoqué Bert Grabler Canada qui t'est servi avec document ça pour réévaluer sanctions ça yo t'est prendre en tête collègue gouvernement Ariel Henry à certains dilapidateurs Petro-Caribé d'après Yuri La Tortue en côté. Nous faisons des marches pour nous parler avec elle, pour nous confronter qu'elle pas voulait faire confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça monsieur écrit sous noir, il écrit sous toute raison, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade pour que les détruits justement, personnalité nous, et nous demander bio affaire légale là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que yo retire le livre ça de circulation, ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice, comme c'est envoyé
Nations Unies payées. Nous demandons tout pays, États-Unis, Canada, qui t'est servi à la poste à yo, pour que vous réévaluez les questions. Parce que je dis à bataille là, ce n'est pas étranger qui a fait le contre nous. C'est même monde en d'un pays ça, qui a découvert la corruption, dans le volet, qui a même gagné l'argent dans le meilleur, des moyens pour y arriver à craser les gens. Mais moi-même, je dis ça, sénateur Latour, c'est une bonne bataille. Et ma bataille, parce que je dis à Mounsayo, yo pense que yo ka fait n'importe qui bagaille dans le pays ça. Nous dit, nous ne pas tomber d'ennemis. Ce n'est pas des dossiers qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada. C'est des dossiers qui fait ici. Et trio qui pote dossier ça, yo, c'est Ben Gardner, qui est officier des Nations Unies, avec peut-être l'autre. C'est dilapidateur Petro-Caribéo. Et c'est gouvernement haïtien, yo même, qui devant mauvaise gouvernance, pense que la meilleure façon pour le faire, c'est craser les gens qui campent tête à tête avec eux. Et c'est peut-être ça, nous prenons un chemin légal là, pour affronter le dossier. Et nous affronter le dossier, laisser Ben Gardner abaille tout le monde qui était campé avec eux. Parce que je dis à nous penser que, après 2 mois de silence, moi j'ai fait silence là, parce que j'ai besoin de bagaille. Premièrement, connaître ça au prochain spécifiquement, et en même temps, enquêter sur le dossier ça. Voilà l'éclaration, c'est sénateur Yuri Latortue sous question, accusation, bien sanction, disons bien, qui prend compte libre côté autorité dans le pays Canada et États-Unis. Consensus national pour une transition inclusive à élection transparente, les publiés dans le journal officiel PA Le Moniteur, mardi qui c'était de quoi, mardi de quoi GVA, selon le numéro journal, ça qui sortit dans la rédaction Le Moniteur, côté signataire à bureau intégré dans les États-Unis, eux-mêmes en pile là où s'allier, publication, ça, nous capables d'y qu'il fête là. Jean, ça a été annoncé quelques jours avant par Premier ministre Ariel Henry, consensus national pour transition inclusive à élection transparente, publié dans le journal officiel PA Le Moniteur. Initiative ça qui s'allie par un ensemble de signataires qui parmi eux, nous jeunes plateforme citoyen engagé ou plateforme citoyen engagé qui déprend acte et s'allie et commencement implémentation à quoi 21 décembre par publication qui fête dans le journal officiel PA Le Moniteur et dans date qui était 3 juin, tirage 3 janvier 2023. Selon centre capable d'en communiquer qui peut être ici, secrétaire général initiative plateforme citoyen engagé là qui c'est Valérie Dutreuil Jacques Gabi ou intégré dans les États-Unis en Haïti qui est même tout s'allié démarche gouvernement que Ariel Henry a dirigé qui est publié dans le journal officiel pays là mais consensus national inclusive et puis national inclusive là pour une transition inclusive à élection transparente qui est publié dans le journal officiel pays qui c'est Le Moniteur dans date qui était 3 janvier 2023, d'y encourager acteurs pour capable de possible avec un dialogue inclusif, ça, des votes qui parlent mener avec Sandré Lé, ben, et restaurer institution démocratique, nous sommes capables de lire, ben, dans un texte qui sorti, bon côté. Responsable Yonan Buni, institution onusienne Sila. Encore 21 décembre 2022, selon pile notre acteur qui pague sa entrée, ben, yon légitimité, qui gon déficit légitimité, puisque gon pile acteur dans société à la, en pile acteur politique, qui yon même, mais trouvé que encore ça, qui pas joint sa entrée légitimité, en pile parti politique, qui, en dit, qui, des partis politiques, qui te présent sur scène, non? Yon réagit concernant, question ça, avec, question encore 21 décembre, c'est qu'à parti politique, petite plateforme politique, petite Dessalines, nous jeunes PHTK, famille Lavalas, OPL, qui eux-mêmes considéré question ça et comme un accord qui pas jeune centré les légitimités que vous parlez. Et nouvel accord ça qui prétendrait déboucher sur centré les formation nouveau gouvernement, il mettait campé centré les conseil électoral provisoire ou bien permanent, parce que jusqu'à présent, Maron qui s'est appelé pralier, organisation élection, yo en PA élection crédible, honnête et transparent. Ariel Henry lui-même qui t'a dû assister, qui t'a dû là pour le capable assister, accompagner, mais au conseil de transition, mais qui t'a dû accompagner Ariel Henry tout, et qui lui-même qui a prêté jusqu'à 10 février 2024, puisque si vraiment condition réunie, Jean Ariel Henry lui-même, l'été dit là, année 2023 qui a pour année électorale, qui a permis élection organisée, pour permettre tout, qui a un président qui prend tête payant 7 février 2024.
2024 et c'est laissé à Ariel Henry lui-même entendre que pour capable en dit bon les bagages mais ça qui est important c'est que n'a rappelé que moi c'est dans 1er janvier dans occasion 219 l'année indépendance pays proclamation ça Ariel Henry dans discours dans occasion il était fait qu'on est pas gagné question et président qui prend qu'en dans palais si c'est pas dans élection que wale qui donc c'est un président élu dans l'élection population voter c'est Mounsa Cap qui veut rentrer en dans palais national comme président élu ça n'a pas tiré appel sur ça que Ariel Henry lui-même t'a dit dans intervention ça qui donc mais les publié consensus dans lui-même consensus national pour transition inclusive élection transparente dans les publié depuis mardi 3 janvier dans journal officiel PIA le moniteur